want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ok, on est directement dans la partie ici, en bas à gauche, Fear Dragon, en Protoss bleu, et en haut à droite, TKL, en train de se faire cheese du coup. Ah bon? Bah y'a un pylône. Oui. Est-ce que c'était pas l'intro la plus dégueulasse de ton histoire au cast, Ivray? Mais je suis hype par ça. En bas à gauche, Fear Dragon, en haut à droite, TKL, qui se fait cheese, y'a un pylône. Mais c'est parce qu'il y a un bon au milieu. Ça tu t'a vois. Pris 5 secondes. Mais j'ai décrit l'intégralité de ce qu'on avait. C'est vrai dans que cette non, mais t'as dit tout ce qu'il y avait à voir au final. Alors, est-ce qu'il y a des unités qui sont mortes? Moi, je trouve que c'est encore plus drôle parce que les deux se font des trucs. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui a deux gates et qu'il y en a un qui a une gate. Alors, on va faire qu'on m'explique ce qui s'est passé. Il va refaire des DT, Fear Dragon. Ton avis, est-ce qu'il meurt avant ses DT? Ah oui. Bah ouais, parce que bon, il nous a montré qu'il a oublié parfois de faire des units. Attends, Yogo. C'est un stalker. Hein. Et il a fait son mother champion. Bon, il a un pylône chez lui, ce qui rend la défense plus compliquée tout d'un coup. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des angles. Hein. Là, on voit dès que tu passes un petit peu en haut bah, ou en bas, bah, il n'y a plus de défense du tout. C'est ça. T'arrives là, tu pop. Tu fais bonjour. Alors, moi, je m'appelle TKL. Je fais des units. Et toi? Non, mais il va vraiment faire DT. Hein. Oh lol. Oh le Star Oh le flair. Oui. Et en plus, on allez, poste à Dark Shrine. Ah, ouais. Il a vu qu'il a été vu. Oh, tu la frappes quand même. Elle s'est dit, allons-toi par terre, peut-être que personne te verra. Ah. Ouais, fail. Bah maintenant elle est allongée par terre, y'a plus personne qui la voit. Ouais, non, là c'est clair, elle s'est fondue dans le décor, regarde, elle l'a même rejoint. Alors. Et la Dark Shrine à la maison. Oh là là, mec. Franchement, ça me fait penser à Rifkin, quoi, tu vois. Genre, je sais pas quoi faire, du coup je fais des trucs dégueulasses et je le fais mal en plus. Ménard aussi avait été comme ça. Ouais, Ménard aussi. Bon, Ménard, après, il est en Australie, mec. C'est ça, non, mais Ménard, ping, il avait un sérieux problème de ping, je suis sûr. Ménard, il est déjà moins bon et en plus, il a littéralement 300 de ping. Donc, mais lui, le tournoi était pas pour lui, il a participé, mais c'est sympa de sa part, tu vois. Parce que t'as des casters qui ont dit non, tu vois, genre, moi je veux pas le faire. Ouais. Comme Tasteless ou. Alors, Tasteless, c'est un problème au poignet en ce moment. Ouais, il m'a dit qu'il pouvait plus bouger son poignet. Non, c'est trop poignet. Ouais, Tasteless, c'est une vraie excuse. Non, mais en plus, lui, je crois que c'est un espèce de. C'est une tendine chronique, un truc comme ça, genre ça lui revient souvent. Il a un vrai problème là où d'autres casters ont dodge. Nathanias, il a pas fait pourquoi? Alors, Nathanias, sa vie personnelle, c'est un peu de la merde. En gros, long story short story, un GF a emménagé avec lui aux US, a récupéré sa green card et l'a dump juste après. Ah ouais. Ah la hollandaise blonde là. Ouais. Oh merde, elle était là, la BlizzCon et tout. Oh, c'est tellement bien joué. Oh merde. Attends, t'emménages avec un américain, donc tu peux avoir ta green card. Non, mais elle a emménagé, elle a récupéré sa green card, genre pas parce qu'elle est emménagée, tu vois, mais elle l'a eu. Et dès qu'elle a eu la green card, c'était salut, ciao, bye bye. Oh, les fatch celle-là. Donc, en vrai, je comprends si le mec n'a pas trop envie de s'exhiber sur internet en ce moment. Ouais, de faire plus que le minimum pour lui, qui est à savoir stream, parce que c'est son métier. Je pense. Mais laisse le mother chip quand envie, il attaque la Dark Shrine. Oh putain, mec, elle est affreuse cette histoire et pourtant c'est tellement marrant. Allez, on tue des probes. Tant que c'est pas un de tes potes, ça va en fait. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un peu ça. Du coup, Nathanael, c'est une vraie excuse. Non, c'est Wolf et Valdez qui ont dodge, quoi. Ah oui, ils jouent plus au jeu aussi. Ouais, alors. Oh, elle était fatch cette game, quoi. Elle était affreuse. C'était de la merde. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Non, mais du coup, ouais, bah en même temps, Wolf qui débarque et qui cast la déjà... SSL, c'est très drôle. C'est très non, marrant. Mais déjà, le cast de la SSL, t'as l'impression de voir deux personnes qui n'ont pas suivi le jeu depuis 40 000 ans. Ce qui est le cas, ils l'ont pas joué tous les deux. Moi, j'en parlais avec Brendan en Corée, je l'ai vu en soirée. Il habitait littéralement à 20 mètres de chez moi, Brendan et Red aussi. Merci à Claudu.
oh putain, ça fait beaucoup 28 ouais. mois. Et donc il arrive et je lui fais, mais alors du coup tu casses du StarCraft. Et il me fait MDR. Non, littéralement il m'a dit yes, that's funny, right? J'ai fait yeah, what do you think about the game? What is it? I have no idea, mate. I didn't follow anything. Genre, okay, mais ouais. Les deux en plus cassent désormais les LCK, si je me trompe pas. Alors, Brandon il casse les LCK et Wolf il est sur Heroes of the Storm. Ouais, Wolf a fait le mauvais pari, mais Brandon ouais. Il casse un jeu qui pèse un peu dans le game. Et par contre, celui qui suit et qui est du coup un peu nouveau, c'est Red Melton. Melton rapid casting. Super okay. Marrant ce mec. Ok, le mec. Son fait... cast est affreux, mais. Enfin, moi je suis pas fan. C'est un ultra nerd. C'est un méga nerd. Mais le truc, c'est qu'il est comme ça en vrai aussi, mec. Non, j'ai passé 2-3 soirées avec ce type. Il est super nice, il est super drôle. Mais alors en cast, c'est vrai que du coup, tu vas dans des délires méga loin. Et quand il se marre, tu sais, quand il se marre en cast, tu fais putain, arrête de surjouer, frère. Mais non, il est comme ça en vrai. Il est comme ça dans la vraie vie aussi. C'est par trop contre, marrant. Il fait un très bon duo avec Arthosis pour le coup. Ouais. Il fait un bon équilibrage. Ouais, bah Arthosis. Du coup, ouais. Arthosis, il prend le rôle du papa un peu lointain, tu vois. Et non, mais le mec, c'est le méga nerd qui pose sur Team Liquid, Twitter, ouais, Reddit, non. Enfin. Ah ouais, non, il suit 9000 personnes. Non, je crois qu'il a littéralement plus de 1000 follows sur Twitter et il suit tout, quoi, vraiment pour de vrai, quoi. Et du coup, on a un petit message de TKL ici, probablement pour Fier Dragon, à savoir la crêpe. Fier Dragon, c'est un gentil garçon. Gentil garçon, Fier Dragon, hein. C'est dommage qu'il soit seulement gentil. Fier Dragon, c'est... Alors, okay. Il faut savoir que quand une meuf te dit que t'es gentil, t'es mal barré. Ouais, ça veut dire que tu vas pas la baiser. Exactement. Mais Fier Dragon qui sera à Valencia, d'ailleurs. Très marrant. Mais il sort d'où, Fier Dragon, en fait? Parce que moi, je le connais. Bah, pour le coup, c'est Community Caster, le mec qui a commencé par caster tous les pires trucs. Ouais, il a payé son boule pendant 2 ans et il y est là. C'est ça, et c'est cool qu'il soit à Valencia parce que je pense qu'en caster, il est pas trop mauvais, en plus. Ouais. Genre, vu qu'il a casté tous les trucs improbables, pour caster une DreamHack, c'est bien parce que t'as des joueurs un peu improbables, des fois. Ouais. Connaît bien la scène. Et surtout, il organise un event qui est cool, qui s'appelle Ladder Heroes, qui te permet, en fait, d'accéder à un tournoi quand t'as été fait des bons résultats sur le Ladder NA ou UE, et qui permet aux pro gamers de se faire un peu d'argent. Ok. Si t'as été bon en ladder. Ok, bon trip. Je connais pas du tout son contenu. Je t'avoue, je regarde pas beaucoup les trucs communautaires StarCraft en règle générale. Oh, il y a les bombes sans gaz. Bah. Oh, t'es quel free pull. Bah, attends, pourquoi il y a zéro gaz Attends, mais prends les deux gaz. Oh, mais c'est une forge. Oui, non, garde ton minerai. Oui. Alors, tu sais qu'il est pas mal celui-là. Il part de loin, mais il a du potentiel. Oh là. Non, mais celui-là est bien. Oh, la probe. Oh, mec. Alors, il connaît le trick. Faut savoir minéral trick pour faire un canon en rush. Non, mais il est pas mal ce canon. Attends, bah, mais s'il perd la probe. Et TKL il peut triple pylône en haut et c'est fini. Pour moi en fait tu mets des pylônes là. Ouais, ou tu voles. Non mais tu triple pylône ta choc B1 et tu tues ce propre de merde. Ah ouais. Là tu après t'as pas de thune. Oh. Bon, il la tue. Bon, ça va. Il y a un deuxième qui arrive. Je sais pas si... Oh. Attention TKL, la frayeur. Le canon rush, le canon. Oh bah ce pylône là il est un peu loin quand même. Bah non mais le pylône il... Non, il va reperdre sa forme. Ok, le canon. Non mais il faut poser un canon maintenant. Non ça a chié putain. Oh les fuck cette game quand même. Si on était casteurs toulousains ça serait trop marrant. Quoi? Si on castait que ça? Si on était casteurs toulousains. Ah ouais. Mec, tu connais le mot fatch? Non. Ça veut dire que ça craint, c'est de la merde, c'est nul tu vois. Et genre, c'est tellement drôle comme mot. Tu sais parce que moi en ce moment je joue qu'avec des potes qui sont toulousains. Tous 100% tu vois. Non mais... Et alors il y a des expressions... Du coup il parle de chocolatine quoi. Il dit chocolatine et alors déjà, et quand il arrive et que le mec on se fait défoncer sur H1 et qu'il fait oh putain c'était fatch con, bon alors là c'est trop drôle quoi. Bon c'est un chien. Fier Dragon il a pas fait d'effort là. On a passé du coup littéralement moins de 10 minutes dans un BO3, peut-être un record mondial pour TKL en BO3 télévisé. Et on vous envoie une pub de 10 minutes. Non mais du coup alors on a Todd il a mis attends d'accord c'était avant. Bon Todd il doit être en train de se dire putain beau tournoi hein. J'ai organisé un truc stylé hein. Je suis en train mais de du coup ouais. Le groupe qui se déroule comme prévu, oui, voilà. Au final, on avait un TK Alert aussi au premier tour. On disait que celui-là n'était pas si important que ça. C'est ça. Parce qu'il se retrouve. C'était un peu comme Link Control Coca du premier tour. C'est ça, exactement. Même si t'aurais bien aimé tenter ta chance contre Todd. Parce que moi, je voulais éclater Todd. Mais bon, ouais. Je pense, en l'ayant vu jouer après, je me suis dit, bon, ça aurait été chaud quand même. Ouais, non, mais Todd qui a bien planqué son barcode en fait. Ouais, tout simplement. Ouais. Non, mais en plus, moi je le savais, hein. What? Même oh le bâtard, ok, il a le cast dans sa voiture plutôt. GG, e-sport cast. Je savais pas que tu pouvais faire ça, mec. C'est plutôt stylé. Et pour TKL, les choses sérieuses vont commencer. Dans putain, le sens, il reste un match pour TKL. Arthosis, ouais. La revanche. Attends, par contre, je te mets un stop. Mais ça, c'est trop cool, mec. Non, hein. Il est en mode O Gaming Radio. C'est trop cool. Ce qui est trop cool, c'est quand tu, si par exemple, si tu kiffes Hearthstone, t'as l'intégralité de l'intérêt du jeu en radio. C'est vrai que ce jeu ne sert à rien de le regarder en soi. Parce que les gens disent, il a posé telle carte. C'est ça.
Ils font que du play-by-play, puis de l'analyse. Alors, RN Jesus a bénéficié à tel joueur, tu vois. RN Jesus. Non, mais c'est trop bien, ça. Mais ça, je suis assez fan. Et à 18h04, c'était qu'il a fait sa photo. Donc, du coup, il était vraiment là au début, quoi. Il m'a entendu déblatérer dans le vide, du coup. Comme les types qui... Oui, parce que j'étais à la bourre. Mais comme les types qui regardent qui écoutent l'Euro ou la Coupe du Monde de foot à la radio, tu vois. Voilà, mais tu sais, pour le coup, j'ai un énorme respect pour les commentateurs. Alors, pourquoi il y a 3 minutes 12? Il y avait marqué 3 minutes 12 parce qu'il y avait 3 minutes 12 de retard. Non, on a pris le truc depuis 3 minutes 12. Ok, le petit tweet de Yoga, c'est bon, hein. Art aussi, ça a bien pris, c'est Benning dans la tronche, Coco, Hero 8. Ben, GG à toi, Yogo, t'aurais pu faire la speed bane, faire un deuxième game. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y en avait pas vraiment besoin. Mais au final, parce que les Art aussi regardaient autre chose que ses achetés. Ah, très clair. Ça, c'était. Ça, c'était triste parce que t'avais 4 Storm qui ont fait. Plop. Peut-être le highlight du groupe, du coup on a vu Arthosis contre Tekel, on fait un petit break, tout petit celui-là, et on revient tout de suite après pour le dernier match déjà de ce groupe. Restez dans le coin. A tout de suite.